Alors, nous voilà arrivés à Radio Broc 2019. Eric, 14 Victor Hugo 27, il nous a pas vu. Si. Bon, il y a déjà, il est quoi? Il est 8h20. Elle est plein phare. Coucou, t'as vu? Moi aussi, ton voix. Bon, il y a déjà pas mal de monde. Je dis ça et puis on n'entend personne en fréquence. Les brocantes, en général, les gens arrivent dès la première heure, voire un peu avant, parce que ça ouvre à 8h30 et les 8h20, pour saisir les meilleurs plans, quoi. Pour faire déjà un peu de repérage. Voilà, là ça se bouscule. C'est même pas la peine. Quand il n'y a pas de place auprès, il y en a plus loin. Enfin, en principe. Oui, ça va le faire. Alors, après avoir trouvé une place pour se garer, on arrive à Radio Broc, organisé par le club F6KUQ. Voilà, c'est Stas. Radio Broc 2019. Oh, il y a déjà des affaires qui se font là. Qu'est-ce que c'est? 1, 2, 3, plus la base. Ah, c'est une Nagoya, d'accord. Ah bah alors là, il ne faut même pas chercher une place. C'est bondé, bondé, bondé. Allez, faire un petit tour à l'intérieur. Alors là, bonjour. Ah, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette antenne? Parce que là, on ne voit pas tous les jours. Rien du tout, parce que c'est pas moi. Ah bah vous la foutez bien, oui, non, je déconne. Ah mais il y en a une autre là, qui est enveloppée là. Bon, ça c'est de l'antenne TSF, hein, ça, de toute façon, ça. Ouais. C'est en voir une comme ça en vrai là devant soi, c'est un petit côté vraiment sympa. Là on retrouve un peu le côté magique de la radio. C'est là où on voit la découverte des ondes. Bon, j'ai continué ma balade, je reviendrai tout à l'heure. Il y a du DK. Il y a de tout. Ah, ben voilà. Non. Juste avant, on m'a dit, il n'y a pas de CB, il n'y a rien.
Là, je viens juste de démarrer ma balade là, dans les rayons. Qu'est-ce que je tombe? Sur quoi je tombe? Eh bien, direct d'entrée, du matériel CB. The microphone on the mixer table. A mixer. And the out of the mixer table, you connect. You make a connector for the microphone. Yeah, no problem. Salut, tu vas bien? Comme à chaque fois, je fais mon petit reportage. Ouais, puis ça fait du bien. En même temps, ça fait parler de la radio, ça redonne envie. On se reverra à Marraine, de toute façon. Surtout le dernier samedi de juillet. Là, je crois qu'ils ont prévu 2 mètres de neige. Ça marche. Il est 9h moins le quart, c'est déjà bourdé. Joli! Je crois que c'est eu pour les ans. Ah, peut-être, d'un petit 33. Il y avait travaillé avant le son. Ah, si? C'est ça, d'accord, oui, d'un petit 33, 14 km, 33,01. Ce que je fais, je commence par faire mon petit tour, je fais une vidéo et tout, ça. Puis après. Oui ? Ah oui, oui. Oui, oui, mais j'ai mon forum et tout, ça. Ouais, voilà, ouais. Bien, si tu veux faire du curieux. Inscription gratuite. Soit tu la valides toi-même par un courrier que tu reçois, soit ceux qui ne valident pas, je valide derrière de toute façon. Salut, comment tu vas? Ah si, mon prix pourrait faire 3, quoi. Non, c'est de la blagounette. Alors là, salut. Là, il y a une perle. Oh la vache. Alors là. Salut, comment tu vas? Bonjour, regarde sur quoi je viens de tomber là. Ah oui, putain, là oui. Mais au niveau prix, je m'attends pas du. Il y a un truc à 80. Ah putain!
Attends, j'hallucine. Un radio amateur qui voit de la chambre d'écho. Je déconne. Je déconne. Sympa. Hé, hey, Fredo, comment tu vas? Je commence à faire le tour, putain. Hé, là-bas, il y a un 1 700 000, putain, je l'embarquerai bien, celui-là. Ah, c'est joli, ça. Ta collection. Ouais, sauf que j'ai ma banquière qui est pas loin, quoi. D'ici 4 heures. Si une heure ou deux, elle sera à température, c'est bon, on va tenter. Ah, j'aurais dû prendre ma bouteille de whisky. Il lui dit, tiens, vas-y, goûte. Et puis, une fois la bouteille vide, chérie, j'ai trouvé un poste qui m'intéresse. Bon, vu le matos qu'il y a, je vais me taper toutes les allées. Ah oui. Et là, et là-bas, là, tu as que ça, là, du matos, là, Sibi. Hein. Tu as que ça, là. Principalement, c'est ça, oui. Là, mais, là, le Midland 7001, non, mais il faut que je m'arrache de là, moi. Ah oui, ça y est. Le plus drôle, c'est qu'en arrivant, je suis tombé sur quelqu'un qui me dit « il n'y a rien au niveau de la CB ». Mais pourtant, je vois que ça. Madame est toujours dans des basses fréquences. Oh là là, c'est portatif. Alors, le tagrand, les photos, c'est 10 euros. Hein. Surtout quand c'est Rémi. Non, 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 les photos c'est 10 euros parce que de toute façon il y a plus de gens qui prennent des photos qui achètent donc maintenant j'ai pas les photos. Excellent, mais comment tu vas toi? Ça va? Bernard? Voilà ce qu'on appelle une bonne poignée de main. C'est pour toi. Hé! Hey, Bernard! Ça va et toi? Ça va. Je peux ou je peux pas? Alors, nous sommes en présence de Bernard, unité francophone 001, président de la FFUCB de passage sur Bordeaux, sur la région, à l'occasion de Radio Braque. Voilà, on est venu faire un petit tour pour voir les amis. Il y en a. Il y a beaucoup d'amis, il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup à voir, il y a beaucoup à faire. Voilà. Oui. Bon, donc, alors là, on a deux portes, voilà, l'antenne télescopique avec self central. Je vais pas la sortir entièrement parce que je vais me faire taper sur les doigts, Hachi. Alors celle-là, ça fait 20 euros. 20, oh! Ben oui, bientôt tu vas pouvoir acheter un poste. Alors j'ai mis une vidéo, ça fait combien d'images secondes? Oh là là! Non, une vidéo, autant que tu m'achètes le truc 50, on n'en parle plus. C'est. Ça fait. Ah, je sais plus, combien ça fait d'images secondes? C'est pour calculer combien j'ai sur mon compte en banque. Ah là, à 50, j'arrête. Oui! Quand tu dis 50, tu ne dis pas combien il y a de zéro derrière. Forfait. C'est le forfait 50. Ouais, mais avec combien de zéro derrière, 50 ben, 50 euros, tu fais tout ce que tu veux. Mais c'est pas assez cher. Non, mais je suis pas vénère, moi. Non, mais bravo en tout cas là, pour les deux portables. Parce que je dis bravo là, pour ces deux portables, ils sont pas faciles à trouver en plus. Et oui, ils sont 50 euros pièce. Ah, ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était un concept qui était quand même assez intéressant parce que ça part d'un poste mobile,
avec tout le kit alimentation et tout. Oui, en fait, c'est l'association voilà. qui s'en servait pour voilà, faire du vélo. Ah ouais, d'accord, dans lequel, justement, le poste mobile vient s'insérer dedans. Et c'est vrai que les moins de 20 ans, ça, ne peuvent pas connaître. Non. Et voilà. Alors, quand on entend les jeunes dire que c'est mieux maintenant, ce qu'il y avait avant, c'était de la... Mais non, c'est pas vrai, c'est l'inverse. On était beaucoup plus ingénieux autrefois qu'aujourd'hui. Autrefois, avec... Aujourd'hui, on va vite à mon pognon. On va vite et on grille les étapes. C'est ça le problème aujourd'hui. Alors qu'avant... Voilà. Je me laissais discuter avec son client. Voilà. Avant, on partait de rien et on faisait comme ça. Même si c'est pas grand-chose, c'est déjà beaucoup. C'est ça la radio, le plaisir de la radio. C'est ça, c'est de voir des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, et puis partir de rien et faire quelque chose avec. Évoluer. C'est voilà. C'est ça. Oui. Comme ça. Je l'ai sur la vidéo. J'ai sauté sur le gazon, justement pour le présenter devant la vidéo. Si je l'ai, mais je l'ai pas mal. Et si vous intéresse. Par contre, vous pouvez me garder le temps que. Pas de soucis, je vous le règle de suite. Pas de problème. Je prépare la facture. Si intéressant. Règle de suite, ça sera fait. Vous voulez, ça sera fait. Le problème, c'est que. On ne revient pas. Bon, c'est bon. Je passe tellement par-dessus que la caméra fiche le camp. Alors on voit ce qu'il y a sur les stands, mais en dessous des stands, eh ben, il y en a tout autant. Dessus, dessous, il y en a partout, il y en a partout. Alors ça commence à bousculer un peu, il y a énormément de monde. C'est à se demander si tous les ans, il n'y a pas plus de monde que l'année précédente. Ben, tant mieux, ça montre bien que le monde de la radio n'est pas aussi perdu que ça, loin de là. Qu'il y a toujours autant de passionnés. Imaginez remettre ça en état. Ah, que du bonheur là. Et celui-ci, imaginez le remettre en état et trafiquer avec. Où est-ce que ça peut être ? C'est à vous ? Non. Ah. Non, non, non. Là, c'est une DY88, mais ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, d'accord. Non, non. Je fais comme vous, je suis touriste. Ah bon ? Ah oui, ça doit être un régal d'écouter là-dessus. Un petit tour du côté des postes SF. Salut, comment tu vas ? Ça va ? Je l'aime. Alcoolique, Bernard, t'es pris sur le fait. Café, chocolatine. Oui. Sur quelle chaîne, la troisième chaîne? Il va passer sur... comment je vais dire ça? Sur Télé Dandy. Ouais. Ah ouais, Télé Dandy, ouais. J'ai mis une connerie à sortir, ça y est, c'est fait.
Salut, comment tu vas? Bah ouais. Il y a du matos, hein. Je suis en train de faire une vidéo, tu verras ça dessus. Non. Comment il est? Ouf, ces lampes qu'il y a. Ah, on est des côtés des antennes. Le but du jeu, ça va être, c'est pas pour faire du trafic, c'est pour ça qu'on a vendu à cette aide. On a vendu la nourriture. Et ouais. On n'a pas vendu la nourriture. Ça va, toi? Non, on est fatigués. Je reviens avec. Je sais pas si je vais venir. Il y a du monde et du matériel. Il y a vraiment n'importe qui. Oh putain. Ah, t'arrives de partout. Ça va, jeune homme? Bonjour, monsieur le président. T'arrives de partout. Bonjour. Salut, comment tu vas? Ça va, on peut aller. Doucement, mais sûrement. De toute façon, si on va trop vite, on grille les étapes. Exactement. Le PMR 446. Alors là. Il y a pas de monnaie, ça? Non, il est là-bas. Salut. Bonjour, monsieur. C'est 14 hier 6h22, allez. Ok, 14 km 33,01, Dandy 33. Voilà. Ouais, toujours. Ouais, bah c'est justement, il faut. Il y a du monde, hein. Il y a du matériel, hein. Du matériel, ouais. Régler le. Il n'y en a pas pour lui dire, Ah, mais on le règle sur place. On le règle sur place. Oui, oui, c'est sur place. D'accord. C'est sur ce point. Ah, mais on est. On va tout ça sans avoir besoin. Il savait, toi. On est tous ensemble au fond de moi. T'as équipé radio, ça? Oui. C'est bon. Ah oui, c'est bon, c'est nickel. Si ça marche pas, il faut raconter, je suis à la sortie. D'accord. Ça marche. Ça marche. Oh oh. Je vais passer à autre chose. C'est lourd. C'est du lourd. Je suis toujours comme premier. Non mais tous les deux. C'est ça qu'il faut acheter. Ça il faut acheter. Ah oui, ça c'est. Allez-y, on vous écoute. Un analyseur de modulation. D'accord. Ça permet de régler pour la FM, de bien régler le. Comment on appelle ça là? Analyseur de modulation pour la FM. Et tout. Et aussi on peut faire les émetteurs stéréo pour ceux qui ont les stations locales. D'accord. Ça peut régler la stéréo, équilibrer les deux canaux et tout. D'accord, ça marche. Ok. Merci. Et c'est du monde des Schwartz, hein. En plus. Et ouais, monde des Schwartz. Ah oui. C'est pas de la gnogne. Ah oui, comme vous dites. Merci.
bien. Est-ce qu'il n'y a pas d'avoir de la perte avec autant de bois ? Mais une antenne par bande. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce qui évite de trop utiliser la boîte à bord et d'avoir des antennes mieux accordées. Ouais, quand je vois des antennes par exemple 0,30 mégas, et tout ça avec boîte à cœur. Oui. D'accord. Bravo, c'est contacté quelques fois par de temps en temps je braque sur les choses. Ah ben oui, d'accord, ouais, effectivement. Et c'est vrai que je vois des antennes 0,30 mégas et tout ça avec boîte à cœur. Mais quel est le taux sur l'antenne? Parce que, déjà comme les autres, on le sait très bien, une antenne mal réglée, c'est une antenne qui perdure, mais puis le rayonnement, il est zéro. C'est, enfin, je dis zéro, façon de parler, quoi, mais bon. C'est, rien ne vaut une antenne parfaitement bien accordée. Salut, comment tu vas? Pour l'instant, j'en profite un maximum. Après, on se rejoint tous au resto, on attend avec nous. D'accord. Pour ma reine, on se parlera tout à l'heure, mais pour l'instant on en profite. Allez. Ouais, moi ma reine, je vais venir en camping-car, je suppose pas, moi je verrai, mais je ne peux pas exposer. Attends. Bonjour. Salut, ça va? Ah oui, je l'ai fait pousser. Ouh, à la seconde, je l'avais pas reconnu. Oui Bernard. Mon but de chinchi, c'est un verre de bâton. Ah moi je suis. Attends. Si si. Oh là. Là, il y a du gros. Un générateur. F6CDX, en plein reportage lui aussi. Comment ça va? Monsieur F6CDX, comment allez-vous? Bien. Ah oui, moi aussi j'en profite là. J'en prends plein les mirettes. Donc on est très bien à l'intérieur. C'est ça de mon côté. Comme ça les gens restent à l'intérieur. Et profitent de tout ça. Quoi. Ils sont roulés quand même. Alors, j'arrive pas à avoir les yeux partout tellement qu'il y en a. En bas. Dessus, il y en a partout. Combien tu vends le FT5000? Bonjour. Comment tu vas? Toujours à fond. Alors c'est la personne à qui je viens de dire bonjour, c'est un radioamateur, Doudou 33. À ne pas confondre avec l'autre Doudou qui est du côté de la Sibie. Alors là, ça, là il y a. Non, 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 c'est pas du vintage. C'est à consommer de suite ça. Monsieur
Rémi, bonjour. Salut. Enchanté, Sylvain, l'organiste. Ok. Génial, ça marche. Et PK232. Merci. Salut, comment tu vas? Bah ouais, je me promène. Oh là, il y a du montage maison là. Non? Elle est d'origine comme ça? Je sais pas. Parce que la base ressemble à une... Ah oui, non. Non, non. Je veux dire... Au premier coup d'œil, la base ressemble à la Paris-Dakar. Avec une antenne radioamateur de rajouter par-dessus. Non, non, c'est la base de la machine. Oui, oui, oui. Oui, non, mais autant pour moi. Non, non. Autant pour moi. Ouf. 120. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sur YouTube. Alors, oui. Alors, après que vous me filmez, que ma femme soit sûre. D'accord, tiens, cadeau. Tu veux que je te filme? Ça marche. Voilà, elle me verra. Ah, ok, voilà, tu es bien. Alors, on est où? On est où? On est où? On est à Radio Broc 2019 à Cestas-Gazinet. Bravo, bravo. Voilà, merci. Voilà. C'est avec plaisir. Ah, sur YouTube, on vous suit. C'est merci. Grâce à vous que j'ai un poste, tout ça. D'accord. En août l'année dernière, je... enfin bon. Bah tant mieux. En août l'année dernière, grenier, carton, Ah, ça doit être un régal de revenir comme ça après 30 ans. J'ai jamais arrêté, donc j'ai pas ce... Ah ouais, non mais... J'ai toujours la niaque des premiers jours. Mais le côté magique de la première fois, évidemment, on le perd. Ah oui, oui, moi j'ai repris. Moi j'ai la passion, c'est l'armée. Ça. Oui. L'armée, qui avait la radio, colonel, la radio. Mais j'ai arrêté, l'enfant, c'est vrai, quand on est... Ah, il y a des choix. La vie, voilà quoi. Et puis, mais quand même, j'ai vu un quartier, tout ça, et j'ai entendu YouTube. 6000 YouTube, lundi, et puis après, j'ai suivi toutes les vidéos. Donc, j'ai vu le 7009. C'est vrai, j'en ai 2-3 dessus. Quand je dis 2-3, c'est plus de 10 ans. Oui, j'ai vu le 7009. CRT, je regarde le CRT, hein, je dis 9009, pas trop cher, et j'ai acheté, voilà, j'ai installé. Alors, voilà. Mais alors j'habite à côté de Ligne, c'est-à-dire qu'il n'y a que des pertes. Le 7009, je l'ai vu un premier coup dans la voiture d'un OM. J'étais à côté de lui sur un 6009. Ouais, c'est ça. Et j'entendais des trucs sur le 7009 que j'entendais pas sur l'autre. Et il arrivait à attraper la station et moi, je n'entendais pas. Je me suis dit, il n'y a pas photo. Voilà. J'ai revendu le 7009 pour prendre le 7009. Ma voiture là, je suis l'installation provisoire, je la vends jeudi prochain, j'en aurai une autre, voilà, je vais installer un peu. Mais de toute façon, quand je suis sur Bordeaux, j'ai fait comme ça, j'entends un peu, mais je suis loin. Et... Oh là, oulala, là. Disons que moi je suis à 50 km à l'est de Bordeaux. Ça fait un bon quand même. Je suis pas bien installé, on va être en fixe avec une antenne assez haute et tout, mais
Ouais. Bon, ma femme, elle dit, mais ça coûte un... Mais non, tu te fais plaisir. Ah ouais, alors. Et alors maintenant, il n'y a plus de fête. Donc, j'attends un peu pour acheter autre chose. Tu te fais plaisir. Moi aussi, j'ai un peu tendu la perche tout à l'heure à mon hôtel. Je lui dis, tu sais que tu as envie de t'acheter tel truc aussi, ça. Bon, d'accord. Bon, après, parce qu'on peut monter très haut. C'est mécamétrique. Bon, j'en profite là. Il monte tout, voilà. Bon, allez, je continue, j'espère. Moi aussi. Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Et là, oh, d'accord, c'est pas de la radio, mais ça mérite d'être vu. C'est pas sur la musique à l'église. Donc voilà. Papy, comment tu vas? Ouf, joli. Du matériel civil, il y en a partout. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Bonjour. Combien celui-là? 15. Ah voilà. Tu vois, par rapport à l'autre tout à l'heure, 50. Il n'y a pas photo, hein? Voilà. Prouvé, enregistré. Rien ne sert de mettre le maximum, c'est un peu trop moins cher. Lundi en arrivant à la maison. Voilà, voilà, tu me diras. Tu me diras ça. When you said to me, this is a one-time purchase. Yeah.
c'était fini les vacances. Ça va aller gentil. Oh là, il y a deux bases. C'est pour ça qu'il l'a choisi. Monsieur le Président, directeur général, oui. Ça va et toi? Ça va. J'étais reconnu de loin, le chapeau. Ah oui? Ah bah, et je suis pas de ça, là. Il y en a qu'un grand pour toi. J'en ai vu. Bonjour. Ça va? Ça va? Oui. Je t'ai honoré. Ah, mais c'est pas. Il y avait un tour. Alors, je viens récupérer. Il y a du matos. Je viens faire un tour. J'ai dit pour essayer de mettre un visage sur les noms que j'ai à la radio. J'ai essayé hier soir. Quelque part sous la... Préciser ce qu'on a maintenant, nous, du numérique. Tu viens de le dire. Tu sais, les ampoules à l'ancienne, ça marque le chiffre. Ah oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, j'ai compris. Là, on le voit à l'intérieur, il y a la couche. J'adore ça. Ah oui, c'est super ça. C'est un petit peu le style que j'essaie de... Parce que moi, sur mon décamétrique, oui. J'ai l'avantage de pouvoir mettre la couleur que je veux. Oui. C'est, voilà, j'ai trois réglages qui me permettent de jouer et de mettre vraiment ce que je veux comme couleur. C'est vrai qu'à chaque fois, à chaque vidéo, tu changes de couleur. C'est, oui, oui, je m'amuse. Et là, en ce moment, je suis plus sur ce tour-là, en ce moment. On appelle ça, je crois, c'est Nixie. Les ampoules Nixie. Ah, peut-être. Ça s'appelle Nixie. Ouais. C'est les horloges. Il y avait beaucoup d'horloges comme ça, avec les chiffres. Ouais, d'accord. On voit les chiffres là. Tu vois tous les chiffres? Ah oui. Ils sont superposés les uns aux autres. Ouais. Putain oui. C'est une séquence. Ah ouais, putain oui, c'est empilé, ouais. Mais... C'est rétro, hein. Ah, c'est cool, mais c'est vachement sympa ça. Ça coûte une fortune ça. Ça coûte super cher. Ça se fait beaucoup. Ça se fait pratiquement plus. Ça se fait en Ouais. Ça va être. Ça coûte cher ça. Après pour savoir les câbles, quoi. Ça oui. Ça serait beaucoup plus. Ouais. Excusez-moi, monsieur. Voilà. Ok, ça s'est décroché tout seul. Moi je suis pas très bonheur encore. Non. Alors, je dis honnêtement, là je résiste. Je résiste. Alors j'ai repéré un 7000 ans. Un mi-temps 7000 ans, oui, là-bas. Il est bien sympa. Mais bon, j'ai repéré d'autres trucs aussi, d'autres postes, mais là je résiste. Encore un peu de temps. Je repasserai dans une heure, tu verras que je suis sûr que ça va dans ta voiture. Je suis. J'ai dit à quelqu'un de me voir tout à l'heure, j'ai tendu un petit peu la perche. Elle me dit, tu sais que tu as envie de t'acheter autre chose aussi. Ok, le message est passé. Hachi. Bonjour monsieur, alors qu'est-ce que c'est ça? C'est des portes fusibles on dirait, non? Oui, ou porte-résistance. Porte-résistance, ouais. Qui peuvent encaisser jusqu'à combien? Parce que là on est dans du gros gabarit là. Visiblement oui, mais en général supérieur à ce qu'on veut. La question c'est de savoir en point de tension ce que ça supporte pas plus en plus. D'accord. Ah.
Ça, ça peut faire des trappes. Ah, d'accord. Bon, ça, ok, d'accord. Les isolateurs en porcelaine. Merci. Aujourd'hui, il faut être informaticien hein, pour les utiliser. Mais c'est toujours la même poste que j'ai, là, le VV898. D'accord. Donc ça, c'est normal. Je vais démarrer comme ça. Je vois pas mal d'applications là, sur internet que je ne citerai pas tout à l'heure qui font croire que c'est de la radio. Non, c'est du chat phonique par internet. Il n'y a pas du tout le côté magique de la radio. C'est du tout faux, c'est de l'internet. Voilà, c'est. Histoire de pas mourir idiot, je suis allé dessus, j'ai observé, j'ai un peu testé, je suis reparti. C'est comme si tu avais la personne directement au téléphone et puis c'est tout. Donc elle est où la machine de radio dedans? Elle y est pas. Elle y est pas parce que, voilà, parce que la magie de la radio, c'est quoi? C'est aller à la pêche au contact, c'est chercher sur les fréquences, se balader, écouter demi-chien chercher le côté totalement improvisation. C'est ça la radio. Voilà. Donc, que ça soit 27 mégas, radio amateur, PNR, DPNR,
la magie de la radio de rester là. Et c'est en notant bien par des applications internet que ça peut se faire. C'est, voilà. Et c'est les nouveaux modes, et tout le monde qui font que ça. Et puis en plus de ça, quand on regarde même les associations de signaleurs et tout, ils ne se trompent pas. Ils fonctionnent par de la vraie radio. Et non pas par sur leurs assistances et tout. Et même ceux qui font des congrès exceptionnels, c'est pareil, ils ne se trompent pas non plus. Ils fonctionnent par de la vraie radio. Et non pas par des applications bidons internet. Je dis bidon parce que le téléphone ça passe pas partout, contrairement à ce que les fournisseurs d'accès internet et tout, les téléphones disent ça. Il y a des endroits ça coupe. La radio, tu restes pas content. Voilà. Après, il ne faut pas mélanger avec du DX. Le DX, c'est encore autre chose. Il y a eu l'île de la Réunion là qui est passée, là c'est avant-hier. Ah bon? Ah oui. Ah mais à quelle heure? Je l'ai entendu, j'ai fait une micro-vidéo là, d'une minute là sur Facebook. Voilà. J'ai dû l'enregistrer parce que... Voilà, parce que en même temps, quelqu'un marque un message, j'appuie pas que ceci, cela. Je fous la vidéo, la bonne humeur qui passait. Là. Bien écouté, bien engagé. Je suis dans la comme moi, je suis un peu avec moi, quand même, le de Ouais. Moi, c'est pas payé, ça, du moment que je vais par terre, je laisse la suite allumée. Ouais, c'est du petit, mais pas tout. On va dire qu'il y a qu'au moment où. Allez, hein? Arrivé au soir, au moment du gastro, ben, je vais éteindre la station quand même. Ouais, mais bon, je suis pas tout seul. Hein. Faire la part des choses aussi. Oui. Ben, c'est pareil, sauf que toi, tu es sur le programme 7 au PMR, on a logique, si tu veux vraiment entendre les enfants, tu vois, dans ce point, tu vois, par toi, tu veux être accessible, on voit la même chose que toi, la femme de vie. Alors, côté PMR, si je veux entendre du monde, il faut que je descende sur Bordeaux. Je suis à 50 km à l'est, je suis à 8 000 Jordan pratiquement. Et à faire une entreprise, et encore, ce n'est même pas des Français qui partent dessus, j'ai rien. C'est rien. C'est dommage. Après, quand je la propose, on passe en 46, j'ai fait non. C'est une vidéo BMR, 436 BMR. Ah ben oui. J'achète des roquettes toutes les semaines. Ah ben tiens, justement. Non, j'ai celui-ci, je complémente. J'ai un autre projet là. Donc celui-ci il vaut 65 euros le mètre. Je le vends à 35. J'ai la boîte, le chargeur et tout dans la voiture encore. Si l'opportunité se présente, eh bien elle se présente. Sinon je le mettrai à ma reine. Je ne vais pas m'emmerder à le vendre par internet. Parce que je m'en défie là. J'ai moyennement confiance sur internet. Là ici, on a les gens en face. Ok, ça marche, bah moi j'ai un fourgon blanc, un master. Ok, bah attends, je prends le temps, je regarde et je... Ah oui, si t'arrives dans l'intermarché, t'arrives de droite, alors tu seras dans le bon sens pour te garer. Ah ok, impeccable. Blanc, ça doit être toi là-bas, fond. Il y en a un devant moi, donc moi je suis juste derrière lui. C'est pas toi qui as la Twingo blanche? Ah non, j'ai pas de Twingo, moi. J'ai un Master blanc. Oui, ok, oui, ça y est, c'est bon. Alors, la voiture s'en va, donc... Ça doit être le propriétaire qui s'est garé là. Ah oui, mais c'est une sortie de garage. Sinon, peut-être que ouais, tu vas pouvoir te mettre entre les deux portails.
Je me suis avancé, de toute façon, tu vas me voir là, je suis sur ta gauche. Ça y est, Daniel, je te vois. Ah, ok, super, merci. Ça va rentrer. Autrement là, grosse menace, là vous êtes sur le dépassement sur la région. Non, je vais partir en Lituanie pour la fête de Lituanie. Je vais appeler des stops. C'est toujours pour la radio aussi, là, la route. Au niveau de la CIBI aussi, il y a du monde, mais les gens restent à l'écoute. Il faut étudier, et c'est en étudiant qu'on est fait comme le micro. Au contraire, il faut être toujours plus jeune. Autrement, là. Ouais, je sais. Autrement, là, qu'est-ce que vous pensez de la journée, là? Qu'est-ce que vous pensez de la journée, là? Ah oui, et puis, il y a du monde, il y a du matériel, c'est... Je me demande si il n'y a pas plus de monde, que... Enfin, tous les ans, je dis ça, tous les ans, j'ai l'impression qu'il y a plus de monde que l'année d'avant, là. Oui, je suis quand même gâteau aujourd'hui, là, de penser le monde, là. Et il est sur l'artillerie. Voilà. Et il est pas loin, il est dans le coin, il est dans les environs, il se balade. Christophe, je ne sais pas où il est. De toute façon, il est quelque part, il est ici. Hein. J'ai discuté avec lui là, tout à l'heure. Et en tout cas, là, il est 11h20, il y a encore pas mal de monde. Ludovic, de l'U33, l'administrateur du WebSDR. Alors, là, en ce moment, le WebSDR est à l'arrêt. Pour raison... Ah. Ok. Si je fais tomber mes trouvailles... Là, en ce moment, le WebSDR est à l'arrêt, c'est pour raison travaux. Ouais, c'est ça, ouais. Au niveau du WebSDR, il n'y a aucun problème, tout fonctionne bien. Alors... Je te pose la question parce qu'on m'a posé la question. Ah oui, d'accord. Alors, oui, ça va très bien. Ça va très bien. Donc là, t'en es où? Le WebSDR est dans un garage. Et dans ce garage, il se trouve que je fais les travaux. Et je fais du carrelage, tout ça, je fais beaucoup de poussière. Et donc... les ordinateurs, ils aiment pas ça. C'est des collègues grillés, oui. J'ai pas la possibilité de mettre l'ordinateur ailleurs dans la maison, c'est pas facile et tout ça. Donc du coup, j'étais obligé d'arrêter le serveur pendant quelques temps, le temps de faire ces travaux-là. Et je prends pas mal de retard parce que pour des raisons perso et puis parce que j'ai eu des imprévus au niveau des travaux. Petit souci d'infiltration d'eau, figure-toi, dans le mur. Ah oui. Donc il y a des petits travaux d'étanchéité complémentaires à traiter. Étanchéifié d'abord, asséché, étanchéifié. C'est ça. Et tu refais une dalle chez toi, c'est ça? Non, la dalle est faite, mais il y a la remontée d'eau par la dalle d'une part et dans le mur en fait. Il y a un problème de niveau avec des infiltrations dans le mur. Bon, ouais. Donc ça ralentit. Ça ralentit, ouais, donc là tu n'as pas d'estimation à peu près pour le remettre en route ou... Non, j'aurais aimé le remettre en route en avril. Quoi. Mais
tu le remettras en route de toute façon. Ah oui, c'est sûr. C'est promisuré. C'est promisuré. Ouais. Parce qu'il y a du monde derrière qui attend. Dépêche-toi. Voilà, tu vois. Dépêche-toi. On s'est pas fait suer à tirer 50 mètres de câble pour rien. Quoi. Voilà, tu vois, ça piétine la patience derrière. Non, c'est prévu de le remettre en route, ça c'est clair. Parce que moi, je suis le premier utilisateur du truc hein, en plus. Hein, donc, ouais. Bah oui, quand tu es ailleurs par exemple, tu sors le téléphone, t'as une petite équipe dessus, ouais. Ouais, j'aime bien, ouais, c'est normal. C'est... Alors, quand tu le remettras en route, hein, est-ce que tu as prévu d'apporter des améliorations, des modifications visuelles ou autres Alors, pas immédiate. Bon, désolé, suite à une panne de batterie, de retour. Donc, attends, reste là. Donc, au niveau, là on était sur l'éventualité d'une modification du WebSDR. Ah, oui. Est-ce que tu as quelque chose de prévu ou tu le laisses non, tel qu'il est? J'aurais aimé mettre le logiciel à jour parce que l'auteur du logiciel il a intégré des nouvelles fonctionnalités. Ah, il y a de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver alors J'aurais aimé, mais le problème c'est que l'auteur il répond pas. Alors, la mise à jour, je pense pas qu'elle se fera. Ça fait des mois que. Ce serait des nouvelles fonctionnalités pour la partie administration ou pour tous pour l'utilisateur. C'est-à-dire que ils ont ajouté des fonctionnalités pas de noise blanking, mais de nettoyage au niveau de basse fréquence. D'accord. C'est l'équivalent de ce qu'on voit, les haut-parleurs BHI là, qui sont filtrés avec c'est un DSP, voilà. Ouais. Des fonctions de DSP qui ont été ajoutées pour faire le filtrage de bruit, qui sont meilleures. Donc je suis embêté parce que j'aurais aimé pouvoir mettre en place ce nouveau logiciel là, cette nouvelle version, mais ça va pas être possible. Puisqu'il ne répond pas le monsieur. C'est méta, ouais, t'en as mis à part le filtrage et tout, qu'il pourrait y avoir. T'as d'autres infos, non le... Non, si j'ai le temps, je remonterai l'antenne de 2 mètres, je pense. C'est vrai. Parce que là elle est voilà, à 4 mètres au-dessus du sol. Et je me tâte à la remonter de 2 mètres. Mais je suis quand même hésitant. Ah ça c'est une bonne nouvelle ça. Ouais. Donc tu vas la remonter plus haut. Alors. Ouais. Ouais, ça peut se faire assez facilement avec quelques fils en acier, ça peut être assez facile. Mais je suis hésitant quand même parce que le remonter, ça risque de l'exposer pas mal aux QRM environnants du quartier, qui sont les QRM CPF. Ouais. Parce que là, ils sont assez, l'antenne est assez protégée par les maisons, ça fait une sorte de mur quand même. Mmh. Avec les filtres que tu as rajoutés, qui te bloquent au-dessus et en dessous, ça devrait être... Ça suffira pas parce que les CPL pourris, ils résonnent sur la bande du 27, donc ils rient absolument. Dans la déconnade, est-ce qu'il y a moyen de perturber CPL? Ah, j'aurais bien aimé, ouais. Je te dis ça parce qu'on m'a posé la question justement. Ouais. Oui. C'est une vraie question, parce que essayer de dissuader les gens d'utiliser ça dans son quartier. Alors à mon avis c'est possible. En injectant un signal CPL parasite très fort sur le réseau EDF. Et je pense que si tu fais ça, t'as un mec d'Enedis ou quelque chose comme ça qui débarque chez toi et qui te demande ce qui se passe. Bah tu branches ça sur le réseau du voisin. Bon, on est dans la blagounette là. Hein. Voilà, bien sûr. Après, si tu fais ça pour pousser l'aider jusqu'au bout, faut savoir que tu vas t'emmerder toi-même parce que tu vas générer encore plus de parasites qui vont te gêner toi. Ouais. Mais ouais, c'est une idée, mais c'est une mauvaise idée. Quoi. parce que c'est illégal sur le réseau électrique d'injecter de la crotte. Quoi. J'ai pas d'autres mauvaises idées là pour le moment là. Ouais. En tête. Hein. Non mais plus dans des techniques de filtrage tu vois que dans des techniques guerrières de ce type là quoi. Hein okay. Ouais, bien sûr le WebSDR il va revenir, ça c'est clair. Il n'y a pas de raison de couper effectivement. Moi, c'est juste que sur mon temps perso, j'ai pas mal de contraintes en ce moment. Et, et donc là, ouais, tu préfères le garder, là, simple d'utilisation tel qu'il est là, par rapport à certains qui ont mis un petit truc visuel derrière, genre paysage, tout comme ça. Il y a un autre logiciel que je regarde de près, qui apporte bien beaucoup de fonctionnalités, c'est OpenWeb RX, qui est un autre logiciel qui est complètement open source, là, c'est-à-dire qu'on peut télécharger le code source et le modifier, faire ce qu'on veut avec. Ouais. Il est beaucoup plus ouvert, il n'y a pas de licence d'utilisation. Et qui permet aussi de faire du WebSDR. Ouais, bien sûr, ouais. Alors, il a quelques défauts, il est vachement moins réactif quand on change de fréquence, tout ça. Moins pratique, mais c'est un projet qu'il faut suivre. Donc, donc ceux qui sont sur smartphone risqueraient de ne pas trop arriver à s'en servir. Ouais, je ne sais pas si une version smartphone en plus. Mais il est moins...
il est moins abouti. Il part d'une bonne idée, mais il est moins abouti. Il faut suivre le projet. Ouais, ouais. Ça va s'améliorer dans les années qui viennent. Et il apporte beaucoup plus de fonctionnalités, je pense, en termes de filtrage DSP. Ouais, de toute façon, étant sur Linux, on va suivre le projet, oui, c'est sûr. Hein. Ouais. Il y a des modes de décodage numérique et tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Mmh. Et sous Linux, tu as repéré d'autres logiciels aussi, non, pour la radio? Non, pas qu'il soit aussi bien abouti que celui qui est utilisé en ce moment. Oui. Il faut avouer que le logiciel, là, je ne sais pas s'il est fait en ligne ou pas. Oui, parce que c'est vrai que, rappelons-le, le logiciel que tu utilises là en ce moment pour le WebSDR, avec le site WebSDR.org, tourne sous Linux. Hein. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Il y en a d'autres, mais avec une partie web comme ça aussi bien fichue, il n'y en a pas. Ouais, d'accord. Alors, le seul projet concurrent que je vois, c'est celui dont je viens de parler, OpenWeb RX, qui a l'air bien, mais qui n'est pas, à mon avis, pas encore mature. Voilà. Celui qu'on utilise couramment, là, qu'on trouve beaucoup, il est bien abouti, il est réactif, il est vraiment facile à charger, il manque peu de ressources, il est difficile de trouver l'équivalent. Ouais, ouais. Il y a peut-être une autre possibilité aussi, mais ça n'a pas grand intérêt. J'avais acheté une deuxième clé USB TNT là, qui intègre un TCXO en plus de stabilité. Alors vu que le WebSDR il est dans le garage, il est soumis aux différences de température, avec l'été, l'hiver, ouais. Il est toujours un peu décalé de quelques hertz. Bon, on s'en sort, hein, mais je vais peut-être intégrer la. Plutôt une clé TCXO avec quelque chose de plus costaud. Voilà, pour avoir juste plus de stabilité. Enfin, bon, c'est du luxe, hein. C'est vraiment du luxe. Voilà. Tu voudras, de toi à moi comme ça, tu auras une petite participation quand même financière, vu qu'on profite du WebSDR pour l'achat de cette clé. Non, il reste gratuit. Non, c'est de toi à moi, c'est normal. On utilise le je te parle pas d'un abonnement à six trois coups. Non, je te parle de participer aux frais. Tu ouvrirais une page pour faire des dons sur PayPal. Non, je plaisante. Non, c'est gratuit, c'est vraiment. Parce qu'au contraire, hein, c'est un plaisir de pouvoir participer, quoi, justement, là, avec toi. Que ce soit de quel moyen. Tu as payé 2 mètres demain déjà, donc. Ça, c'est rien, ça. Non, pour l'instant, ça reste gratuit. Moi, c'est un projet qui est perso. J'ai eu des contributions d'OM sympas. Quant à l'IM du PC portable qui sert de serveur à cloquer, il y en a un qui m'a envoyé gratuitement, par exemple. Je vous remercie encore. J'ai eu toi qui a ramené un bout de bas. L'antenne, c'est Eric. C'est Eric, voilà. Il m'a aidé aussi pour passer le cap, toi aussi. Voilà, c'est justement la... Ma proposition, c'était pour continuer dans ce sens-là, quoi. Ah non, mais c'est sympa. Mais tu vois, même le préampli qui sert là, pour le récepteur, le SDR, c'est un OM. C'est l'OM qui m'a vendu un Mentora qui m'a donné avec. Bon, des petits trucs, des missions comme ça, là, on a tout ce qu'il faut. Quoi. Ouais. Voilà. Non, après, ce qui manque, c'est surtout le temps, tout ça, mais ça, le temps, ça peut pas se donner, quoi. Voilà. Malheureusement. Mais pas besoin de contribution pour l'instant, ça marche tout seul. Bon, en tout cas, vivement qu'il soit de retour, ouais, qu'il soit à nouveau en marche. J'ai compris, il y a de la demande. Mais bon. De toute façon, chaque chose en son temps, et on n'a pas le choix, on l'attendra. Ouais. Mais il sera remis, ça c'est sûr et certain. Ah oui, ça c'est sûr, ouais, tôt ou tard. Tôt ou tard, c'est plus tard que tôt, mais. Ça, j'ai coupé en décembre, c'est ça, décembre ou janvier? Je sais plus. Je l'ai coupé en janvier, et sincèrement, je pensais le remettre fin février, mars. Je comptais faire ça au départ. Et j'ai eu plusieurs contretemps, j'ai eu des problèmes d'étanchéité dans le garage que je gère. Et quand j'ai voulu acheter le carrelage pour mettre dans le garage, je suis allé chez Leroy Merlin. Et ils étaient en train de changer la gamme, et ils ne faisaient plus celui que j'avais repéré 2 mois avant. Donc j'étais comme un con, donc des conneries comme ça, on perd 2-3 semaines. Ouais. J'ai commandé le nouveau carrelage. Ça va avancer, je vais enfin débloquer. Oui, non, mais là, ça sera une belle surprise le jour où on le reverra à nouveau en route. Ouais, ouais. Mais après, si c'est vraiment trop long, je le remettrai peut-être temporairement en place, en route, le temps de faire les travaux qui sont pas salissants. Ouais, d'accord. Il y a une possibilité comme ça aussi, c'est vraiment. Non, c'est galère. Et, voilà.
Ok. Ben, merci Ludo, c'était bien sympa. 73 à tous, hein, ceux qui regardent. Et avant de couper, hein, ouais. Si tu savais ce que tu vas rater ce midi là au restaurant. J'ai entendu parler un petit peu. Il va y avoir du sanglier, tout ça. Ah oui, oui, il va y avoir des petits trucs là. Ouais. C'est quel dommage. On passe rien. C'est on passe rien, toi. Eh ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. Merci à toi, les deux mecs. Ouais, mais attends, la poussière, ça aime pas. D'accord, voilà pourquoi. Ça fait plus de temps que ce que j'avais prévu. J'ai eu le temps de ça. Ça va revenir, ça c'est sûr. Ouais, bah, ça marche bien. Ouais. Mais même moi, j'utilise beaucoup en perso, parce que bah, des fois, quand je suis pas à la maison, des fois au boulot, par curiosité, ça permet d'être un peu à l'écoute et savoir ce qui se passe. Ça peut être là, c'est oui. Entre vous, parce que le 945 on l'entend partout. Moi je vous écoute tous les jours. Non, mais c'est un relais qui était plutôt utile pour la manifestation. Non, je le cache, on va juste pas forcément les codes, ça c'est un donc. Ouais, ça va revenir. Ouais, c'est un peu plus. Ah oui, il est midi. Sur les tables, ça s'est bien vidé. Au niveau des gens, pas trop. Il y a encore pas mal de monde. Oui.